La vidéo en direct, t'es parti. Puis là, le monde devrait pas m'entendre moi, il devrait t'entendre toi. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? On fait un test aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un micro, pas que j'aime ça, au contraire, mais l'idée c'est que vous puissiez mieux entendre les directives qu'on donne, entendre la musique aussi. On n'est juste pas sûr si là vous allez entendre le beat du 20 secondes, 10 secondes pour le Tabata. Mais gênez-vous pas, là, si jamais vous voulez nous donner de l'info là-dessus, ce serait super. Est-ce que tout le monde m'entend à date? Yvan? Check ça, Yvan. Check ça. Puis je vous donne l'information. Aujourd'hui, je suis seule, imaginez-vous donc. Je pense qu'Yvan est un peu brûlé de sa semaine passée. Puis si jamais il y en a qui n'est pas sur Facebook, il y a une belle grosse fraise à lèvres qui s'est fait mal hier en faisant des rénaux chez eux. Fait que faites attention aux rénaux, c'est plus dangereux que de s'entraîner. Ça va bien, par contre. C'est ma fête à Lille aussi, Yvan? Ben oui. Ben oui, c'est la fête à Lille. C'était la fête aussi à Julien Laflamme, pour ceux qui se souviennent de Julien, qui a travaillé avec nous des nombreuses années. Fait que c'était sa fête, il va bien, tout le monde. Lui, il est travailleur de sa salle, maintenant il travaille les fruits et légumes. Fait que salut Julien, j'espère que tu vas bien, bonne fête. On va s'assurer avant de commencer, on va prendre une autre minute, mais on va s'assurer que tout va bien, que le micro va bien, que la musique aussi. Alors, donnez-nous encore une minute pour le temps qu'Yvan revienne, s'assurer que tout est correct. Préparez-vous. Pierre Coulet? Ben okay. Oui, il est ici. Est-ce que tout le monde regarde, mais est-ce que le son est bon? Est-ce que, j'ai pas eu de commentaire, ça va que le son n'était pas bon. Ben, je pense que je vais demander à Carole Plante qui vient de se brancher. Carole, yo, j'espère que tu vas bien, sans lui. Est-ce que le son fonctionne bien? Est-ce que tu entends ma voix merveilleuse? S'il vous plaît, et aucun commentaire. Bon, co-gang, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Patrice a répondu. Oui. C'est tellement pas agréable de s'entendre. Moi, je n'ai pas regardé les vidéos encore. Le son est bon. Le son est bon. Fait que t'es prête, Marie, on part. OK, warm up, c'est parti. On jogue sur place. Yvan, tu me mets-tu de la musique, DJ? Oui, on va aller faire ça. On va passer par là. Fait qu'on va faire un warm up qui va durer à peu près 5 minutes. On jog. Lève les genoux un petit peu plus haut, bouge les bras. Excellent. On va aller placer les pieds de côté à l'extérieur, à l'intérieur, extérieur, intérieur. Continue à alterner comme ça. Imagine qu'il y a l'échelle au sol. Tu bouges in, out. On va faire avant-arrière maintenant. Tu vas en avant, en arrière, comme si tu montais sur un step. Change le pied, vas-y avec l'autre pied. Si tu faisais le droit, tu commences avec le gauche. Jumping jack. Je sais pas si tu entends la musique, par contre. Okay. C'est bon, on est rendu à 90. Ouais, on vit le Max, Max Roussel. Je vais voir. Ralenti, talon seul. Oh non, je t'ai fait un peu. Let's go, gang. OK, tirement des quadriceps. Même chose, une seconde, change. Good job. On a-tu des commentaires sur la musique, Yvan? Ah!
Yvan, il n'avait pas branché le bon fil, bien, c'est pas grave. Ensuite, t'es sûrement comme ça au niveau de la hanche. Tu vas juste te pencher. Bon travail. Une autre fois. Chaque jambe. Puis on recommence à jogger. Ça va, gang? La musique, ça va? C'est quoi les commentaires? Ça se peut, mais j'avais pas l'impression que ça. C'est peut-être. Good job, parfait. OK. Twist. Twist. Essaye de déposer tes deux pieds au sol. En même temps. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Dernière fois. Descend. Et jumping jack encore. Jumping jack. Encore 4, 3, 2. On charge au ski de fond. Ski de fond. Lève les bras haut. Let's go. Encore 5, 4, 3 et 2. Stop. Étirement du mollet. Change de jambe. Étirement du mollet. Change de jambe. Bon travail, gang. Étirement du fléchisseur de hanche. Tu lèves le talon. Pousse la hanche vers l'avant. Good job. Talon, il est au-dessus du sol. Hanche vers l'avant. Une fois chaque jambe encore. Good job. Excellent. Parfait, gang. J'espère que vous êtes prêts à commencer. Petit point important, encore une fois. Assurez-vous. Bon, merci, Yvan. Oh, Yvan vient de recevoir un texto. Il n'arrête pas. Ah, OK. Baisse la musique. Moi, je ne m'attends plus ici. Hein, j'ai oublié de mettre mes appareils. Fait que... Bon, gang, trois petites choses. oubliez pas, on le répète, on le sait à chaque cours, mais c'est vraiment, ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir en faisant des exercices à la maison. Si tu te sens pas très bien aujourd'hui, fatigué, enrhumé, pas nécessairement le COVID, là, mais juste enrhumé, assure-toi de ne pas travailler à une trop haute intensité. On veut encore que votre système immunitaire soit top shape. Alors, n'oubliez pas que vous devez travailler à peu près à 70 à 80 % de votre fréquence cardiaque max. Si tu veux calculer ta fréquence cardiaque max, tu peux toujours le faire avec 220 moins large. C'est plus ou moins 20. Bon, ce n'est pas nécessairement ce qui est le mieux, mais quand même, ça peut te donner une idée. Vous avez des montres? Vous pouvez peut-être les partir. Même principe aujourd'hui, on fait du Tabata. 8 fois 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On va utiliser la même méthode qu'on a faite jeudi dernier, c'est-à-dire que je vais présenter toujours deux exercices pour chacun des blocs d'entraînement, des 8 blocs. Tu n'es pas obligé de faire les deux exercices, tu peux en choisir un. Si tu veux que ce soit plus difficile, choisis les deux. S'il y a des mouvements que tu n'es pas capable de faire, je vais t'amener des variantes. Tu peux l'écrire, Yvan, il est là, aujourd'hui, il ne le fait pas. Il va pouvoir me le dire, fait que je vais pouvoir te donner une variante si tu as une blessure à l'épaule, genou, dos, etc. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Exercice et bloc numéro 1. Squat plus mollet. Ah, une chose bien importante aujourd'hui, c'est pas moi qui a créé le programme. C'est Vanessa McAlpine qui salue tout le monde. Fait que salut Vanessa, je suis sûre que tu es en train de le faire. Alors, si vous avez des recommandations ou que si vous trouvez ça trop difficile ou trop facile, bien, parlez à Vanessa, c'est elle qui a fait le programme. Ça marche? Merci Vanessa en passant, c'est vraiment cool que tu sois là. Exercice numéro 1 du bloc A, tu vas faire un squat suivi d'un de te lever sur les orteils, squat, travail mollet, squat, travail mollet. Tu as des poids, tu peux utiliser une charge sans problème. Deuxième exercice du bloc A, mountain climber, mais croisé. Alors, tu vas aller porter tes jambes, ta jambe droite vers le côté gauche, ta jambe gauche vers le côté droit. Ça marche tout le monde? Fait qu'on passe ça. DJ. Hey boy, je ne sais pas si c'est le micro qui est trop pesant, mais on dirait que je suis deux fois plus soufflé que d'habitude.
J'attends le beep. Même chose pour vous. J'espère que vous êtes prêts. Faire un peu de boxe. S'assurer que... Oh, Yvan, attention à tes gros mots. C'est pas moi qui ai dit des gros mots. C'est M. Ouellette. C'est à cause de sa lèvre. Ça sera pas long, tout le monde. Ça sera pas long. Je peux le partir? OK. Je le pars avec ma montre, gang. On va s'organiser après pour le deuxième bloc. De toute façon, c'est ma magnifique voix que vous entendez, pas besoin d'entendre la musique. Alors, on part au premier exercice dans 3, 2, 1, c'est parti. Squat, mollet, squat, mollet. Excellent. Good job. Encore 10 secondes. Là, c'est facile, je peux la regarder. Peut-être que le mountain climber, tantôt, je ne pourrais pas vous donner autant d'informations. Et stop! Tu vas t'installer au sol. On commence ça dans 4, 3, 2, 1, c'est parti! Mountain climb! On va porter tes jambes de chaque côté. Excellent! Good job! On suit le beat! Stop! On recommence. Squat, mollet. Squat, mollet. 2, 1, hop! Squat, mollet. Good job, gang! On descend en bas. Tu veux descendre plus bas, tu peux mettre tes pieds plus larges. Descends en bas. Slow. Descends en bas. Stop! On switch, on s'en va au sol. 2, 1, et hop! N'oubliez pas, c'est des mountain climb croisés. Pas besoin de te rendre jusqu'au coude. Let's move. Let's go! Stop! Est-ce que vous entendez le beep? Vous pouvez répondre sur Facebook si vous entendez le beep. Squat, mollet. Je m'excuse si je vous crie dans les oreilles. On dirait que j'ai pas le choix, il faut que je vous crie après. Mettre plus de dynamisme. Good job! Descends, descends, mollet, descends. Hop! Dernier. Good job! Ça va au sol? Et hop! Come on! C'est le troisième! Hop! Gauche-droite! Gauche-droite! Allez, gang! Stop! Un dernier de chaque. Good job. Ready. Squat. Mollet. Allez, hop. Come on, gang. On descend en bas. Mollet. Good. Un dernier. Mountain climb. Good job, gang! C'est parti! Gauche, droite, encore! Pousse! Allez, gang! Bon travail, bon travail! Il en reste pas beaucoup! Et stop! Yeah! Bloc numéro 1, done. J'avais dit à Yvan que j'enlèverais mon coton ouaté. J'ai chaud. Bon, prenez une minute de pause, le temps que je me déshabille. Je m'excuse pour vos oreilles. Ce sera pas long. Tu récupères ce que le son?
je pense. Hein? Je viens de recevoir un texto. Tu cries? Oui. Oui, parce que tout entend. Ouais. C'est ça que je t'avais dit. Mais pas eux autres, parce que c'est mieux de même. Bon, je m'excuse, je viens de recevoir un texto de mon amie MC. Elle me dit que je crie. Probablement, j'ai envie de vous crier après. Ce serait bien plus fun si vous étiez ici. Fait que je vais essayer de parler moins fort, mais c'est l'enthousiasme qui est pris après moi. Si vous sentez que ou vous trouvez que je crie trop, laissez-le moi savoir. Je vais tester à ne pas crier. Je vous explique les prochains. Il y en a sûrement que je vais arrêter de vous parler aussi. Comme dirait Magali, les derniers burpees, souvent je ne parle plus, ça risque d'arriver. Bloc 2, exercice, push-up plus rotation, on l'a fait ensemble. Je le monte sur les genoux, vous taillez le bas, tu te relèves, tu tournes vers la gauche, vers la droite. Ça, c'est l'exercice 1 du bloc 2. L'exercice 2, c'est une planche, mais qui bouge. Alors, tu vas placer tes coudes en avant de tes épaules. Et tu vas, avec tes pieds, pousser ton corps vers l'avant, arrière. Alors, c'est juste un mouvement d'à peu près une dizaine de centimètres que tu fais avant arrière, encore une fois, pour travailler tes abdos. Les push-ups, si jamais tu as mal aux épaules, tu n'es pas capable d'en faire, pour le premier exercice, je vais te proposer de faire une planche, puis de faire une rotation comme ça. Donc, je vais vous montrer les deux pendant qu'on va le faire. Prête, DJ? Fait qu'on commence push-up rotation. 2, 1, c'est parti! Push-up, rotation, gauche, droite. Il est fatigant, il est tellement fatigant. Good job, gang! Excellent! Je me force pas à crier. Good! Et stop! Repos! Planche. Devriez voir la face à Eva, il est vraiment excellent. OK. Avant-arrière. Tout ça. Bon. Je ne vois pas que tout le monde voit ma bédaine. Je mets mon gilet dans mes shirts. Bon travail, gang. Bon travail. On y va lentement, cet exercice-là. Ça devrait travailler vos abdos et pas le dos. Stop. Ready? Dans 3, 2, et hop! Push-up, tourne, tourne. Excellent. Ceux qui ont de la facilité avec les push-ups, vous pouvez toujours aller toucher au sol, on se relève. Je pense à Patrice Vaillancourt que j'ai vu. Pat va à terre. Exact. Good job. Planche qui bouge. Ready? Et hop, c'est parti. Lentement, les hanches doivent être à la même hauteur que les épaules. Fait que j'aime mieux que tes fesses soient un petit peu plus hautes que trop basses. Tu devrais toujours sentir que tes abdos travaillent. Et stop. Good job, gang! Good job, gang! Je fais ce que j'ai crié. Ready? C'est parti, push-up! Tourne! Encore! Let's go! On va finir à être bon avec les maudits push-up. Hein? Bon travail tout le monde, bon travail! Serre les abdos, descend, hop! Good job les abdos! What? Question de la part de je ne sais pas qui, mais merci de l'information. C'est bien de contracter les abdos. Tu peux le faire, mais normalement, tes abdos devraient se contracter juste à faire ces exercices-là. Ils sont activés. Tu veux les contracter plus, aucun problème. C'est une bonne chose à faire aussi. J'espère avoir bien répondu à la question. Serre. Ready? Dernière fois. Push-up. On tourne. On tourne. Let's go. Descends en bas. Let's go. On pousse. Bon travail, gang. Bon travail.
Excellent. Oh, ça commence à être tough. Let's go. Excellent. On reste là. Bon travail. Dernier. Deux. Un. C'est parti. OK. Pousse vers l'avant. Arrière. Garde les épaules à la même hauteur que les hanches. Good job. La tête dans le prolongement du corps aussi. On va lentement. Et c'est fini. Bon travail, tout le monde. Bon, Yvan, il essaie quelque chose. Avant et arrière. Quand tu vas te lever, tu vas lever le genou comme ça. Exact. Si tu veux, si tu sens en forme, si c'est quelque chose que tu as déjà fait, tu pourrais même faire un saut à la fin. Alors, fente arrière, lève le genou, hop. Fente arrière, lève le genou, hop. Alors, s'il y a des gens qui sont très habitués, Nancy, Denis, Patrice, tout ça, vous avez envie de le faire comme ça, aucun problème. OK? Oh! On m'entend plus? Ouais. Ça marche, je suis encore F1. Ouais. C'est revenu? Bon, désolé. OK. On est prête. Hiver, faut que tu cours, allez mettre la musique. Je peux y aller. Ah ouais. Oh shit, on te voit là de l'arrière de tête. Ouais. Fait que. OK. Tu es prêt? Fente? Ready? Ah! Genou. Fente arrière. Genou. Ouais, donne-moi un petit saut si ça va bien. Come on, Nancy! Good job! On pousse! Stop! Change de jambe! Garde les hanches parallèles au sol, c'est important. Let's go! Wow! C'est toujours plus facile d'un bord que de l'autre. J'ai bien hâte de voir Yvan. Good job! Change de jambe! Je vais le faire sans saut, de côté pour que tu vois. Ready? Descends. Monte. Garde le dos droit. Tu peux travailler avec les bras, comme si tu courais. Excellent, gang. Bon travail, bon travail. Good. Change de jambe. Ready? C'est parti! Excellent! Regarde loin en avant. Si l'équilibre, c'est un défi. Ah, ben, Patricia, Marc-Antonio. On s'ennuie de Pat. Salut, Pat. Salut, Julie. On va se reprendre dans le détour. J'espère que les filles, ils le font. Salut les filles! Ready? Avec saut! Un petit saut. Let's go, un petit saut. Un petit peu plus haut. Good job. Excellent, gang. Allez, jump! Bon travail, bon travail. Let's go, push! Excellent. Change de jambe. Ready? Hey, good job, let's go. Avec un saut, push. Come on. Bon, Yvan me crie après, fait que ça m'incite à vous crier après.
J'espère que ça va bien tout le monde. Let's go. Jump. Pousse avec les orteils. Come on, gang. Stop. Un dernier check, jambes. Fréquence cardiaque. Ça s'en vient. Let's go. Avec un petit saut encore. Si ça va bien, tu as mal aux genoux. Tu fais pas de saut. Pas besoin de descendre si bas non plus. Tu as besoin d'équilibre. Tu peux prendre un poteau pour te tenir. Plutôt un balai à la maison. Good job. Dernier. Charge de jambes. Job. Oui. Allez, gang. Good job. Encore un petit saut. Excellent. Bon travail. Push. Let's go. Pleine extension. Tu trompes. Quand tu sautes, pas besoin d'aller vite. Essaye de pousser le plus haut possible. Bloc numéro 3. Check. Excellent. Gorgée d'eau. Respire un peu. Ma tante, elle a fait travailler fort aujourd'hui. Bloc numéro 4. On l'a fait la semaine passée ensemble. C'est la planche coup de main. Pendant les 8 répétitions, c'est ce qu'on va faire. Mais dans une répétition, tu vas te lever à partir de la main gauche. Dans la deuxième répétition, à partir de la main droite. Fait que je te le montre. Pendant 20 secondes, tu vas commencer toujours avec la main gauche. On va prendre notre pause, puis après ça avec la main droite. Là, je ne ferai pas un 20 secondes de plus pour vous autres, là. Je vous aime bien, mais quand même. Fait que c'est presque parti. Il va en cours de ce côté-là. Et le voilà. Oui, c'est ça. Alors, il voit la lèvre, puis ensuite le dessus de tête. Bloc marche de côté. Ready? Allez, gang! Main gauche. N'oubliez pas cet exercice-là. Vous pouvez le faire sur les genoux aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur les pieds. Et le but, c'est que les hanches bougent le moins possible quand on se lève. On veut éviter trop de rotation de hanches. Et stop. Excellent. Charles, ready? Mais hein, je m'ennuie. Hein? OK. Droite. Un petit truc aussi. Cet exercice-là, si tu as les pieds plus larges, les mains plus rapprochées, ça va t'aider un peu. Good job. Écoutez pas Evan si vous l'entendez. J'aime mieux que vous ayez les fesses plus hautes et que ça évite tes douleurs au dos. Il m'entend pas, c'est bon. Il y a juste vous autres qui m'entendez. Toutes les niaiseries que je dis, Evan. C'est ça, exactement. Prête, main gauche. Avec tout ce qu'on a dit contre Evan, ça reste entre nous, gang. Oh, Monsieur Wallet. Non, Monsieur Wallet, on fait pas cet exercice-là. Bon travail, gang. Let's go, un dernier. Et stop. OK? Oh, il m'encourage. Bon travail, tout le monde, bon travail. Main droite. Allez, go. Pied large, main rapprochée. Puis on lève. Allez. Pouf. Ça va vous faire des beaux triceps, ça, gang. Les triceps pour le beach body. Allez, on pousse. Un dernier. Allez! Et stop! Gang, je vais le montrer une fois sur un banc que vous voyez que ça peut être fait plus haut aussi. OK? Allez, comme ça. Fait que pour les gens, pour qui c'est plus difficile, problème d'épaule, tu peux le faire sur une chaise. Surtout que la chaise est bien appuyée. Salut Chantal Leduc, je viens de voir que tu es là. Gab aussi. Excellent. Good job. Là, je vais montrer une variante sur les genoux. Comme ça, ça vous permet d'alterner sur les genoux. Let's go. On est rendu à droite. Pied large ou genou large. Main un petit peu plus étroite. Ça va te permettre de garder les hanches plus stables quand tu vas te lever. Bon travail. Excellent. Let's go. Un dernier.
Stop. Il en reste deux. Un à gauche, un à droite. Merci, Yvan. Je pense que c'est sa toune. Ready? Et hop! Gauche! Excellent travail, tout le monde. Come on. On pousse. Pas besoin d'aller plus vite. Mettez de la qualité, malgré la fatigue. Good job, tout le monde. Ah ouais, un dernier plat lock. Et hop! Good job. C'est lui qui va donner les cours de Zumba à partir de septembre 2020. C'est le dernier, gang. Main droite. Rien du tout. Bon travail. Excellent, gang. Allez. Oh, je sens qu'il se rapproche. J'ai toujours un peu peur. Et il garde son 2 mètres. Il garde son 2 mètres. Yeah! Good job, tout le monde. Excellent. Wow. Good job. Ouais, c'est ça. Bon travail, groupe. OK, relâche les bras un peu. Pas besoin de s'étirer tout de suite. On a bien eu le commentaire que de faire des étirements à la fin, ça serait le fun. Fait qu'on va en faire quelques-uns. Merci en passant des commentaires. C'est toujours constructif. Puis bien, ça va rendre le cours encore plus intéressant et efficace. OK, le prochain. Vanessa, pas sûre de lui, là. Rentrez vos T-shirts dans vos shorts. Ou votre peu importe quoi, là. Parce que le prochain exercice du bloc 5, en fait, les prochains blocs, vous allez voir, sont très cardio. Il y a un exercice qui est très cardio, qui va être suivi par un exercice d'abdos. Fait que déjà, les MC, on va être encore raqués des abdos cette semaine. Fait que, saut en X. Je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Tu fais un petit squat, tu sautes, tu fais un X. Squat. Fait que je sais pas ce que ça va avoir l'air à caméra, mais je sens que j'ai l'air un peu drôle. Fait que ça, c'est, on va faire ça pendant 20 secondes. Après ça, l'exercice au sol d'abdos, c'est des reverse crunch. Les jambes à 90, mets ta tête au sol, tu mets tes bras comme ça ou en croix, comme tu veux. Ce que tu vas avoir à faire, c'est soulever le bassin légèrement en gardant la tête appuyée au sol. C'est ça ton plus grand défi, garder la tête appuyée au sol. C'est bon? OK. T'es prête? Deux, un, et X! Et hop! Good job, tout le monde! Excellent! Bon travail! Good! Oh, je suis en train de perdre mon micro. Okay. Un X de bras. Let's go, gang! Je suis en train de perdre mes shorts. Tout le monde à terre! Ça va faire les abdos? Ready? On va le faire comme ça. Merci Vanessa pour les commentaires. C'est correct, on va le continuer comme ça. L'effort est intense. Quoi? Yvan, il me parle, mais je ne sais pas ce qu'il me dit. Bon travail, gang. Good job. Vous êtes prêtes? Tâchez mes shorts comme il faut. Let's go. Hop! Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient d'écrire quelque chose de drôle. Ah ouais? Oui! Ça va bien aller, groupe! Je pense qu'on a des émanations de la SQDC à côté. C'est peut-être ça le problème. Crunch! Ça va à terre? Ready? Deux, un, et hop! Je suis désolée si je vous chante ça dans les oreilles en même temps. Mais la musique à Yvan, je dois avouer, est vraiment bonne. Allez! On lève le bassin. Essaye de pas travailler avec ton cou et tes bras. Good job! Encore! Hein? Toujours important, qu'est-ce qu'il dit, Yvan? Mais là, il m'entend pas, fait que je suis chanceuse. N'oubliez pas que quand vous faites votre squat, les genoux doivent rester alignés avec les orteils du milieu. Hein? Let's go, gang. Good job, on s'envole. On va un petit peu plus haut. De mémoire, là,
C'est un exercice que l'équipe de hockey des Remparts, l'équipe de hockey féminine aimait faire ce squat-là. Mag, tu te souviens-tu de ça? OK. Crunch inversé. C'est parti. Bon travail, tout le monde. Tu peux avoir les pieds à côté de l'autre aussi. Let's go. On lève. Allez. Oh. Let's go. Il me semble qu'il en reste un de chaque. Encore les beaux X, gang. Ready. Et hop. Ouais, good job. Tu pousses avec tes orteils. Come on, gang. Come on, blue. Allez. Push. Push. Et good job. OK, allez, crunch. Le dernier. Ready. 3, 2, 1. Hop. Good job. Lève. Come on, gang. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je le sens dans les cuisses encore quand je fais cet exercice-là. Je pense que les sauts suivis des crunchs, on le sent dans les cuisses. Stop, gang. Okay, good job. OK. OK. Gang, si vous n'avez pas entendu Yvan, j'enlève le micro. Oui, c'est ça. Puis on y va the old fashioned way. Voir si c'est lui. On va baisser le volume. On va baisser le volume de la musique. On fait un test pour les trois derniers blocs pour voir si c'est mieux, pardon, avec micro ou sans micro. Voilà. OK, next. Genoux haut. Fait que ça veut dire qu'on va faire du jogging sur place et les genoux le plus haut possible. Assurez-vous par contre que si vous voulez aller lever les genoux très haut, votre corps va se pencher vers l'avant, genre tout okay? On va vraiment garder le corps allongé. Bon travail avec les bras aussi. Ça marche? Virginie Doyon serait fière de me voir avec mes mains ouvertes de même, comme quand on fait des skips, si jamais tu veux. Le deuxième exercice du bloc 6, l'exercice préféré de Sophie Blou. Je suis sûre que c'est fait ça pour Sophie. La banane! Avec les jambes dans les airs comme ça, tu restes de façon isométrique pendant 20 secondes. Tu peux te pencher un peu les jambes. Surtout de ne pas le sentir dans le dos. On aime mieux voir les jambes plus hautes, le dos à plat au sol, que les jambes très basses, plutôt tout à pied. Ça va être important de faire ça. Fait que, gang, j'espère que vous nous entendez bien pareil. Prête? Pas prête? C'est parti. Exercice 1, genoux haut. Parfait. Bon travail. Avec tes bras. Ouvrez les mains pour Virginie, puis ceux qui connaissent Joey aussi, les mains qui vont être bien. Oh, well, it's not
Come on, Marie. Ready? Up!
Oui. Keep up, Benny, let's go, come on! Allez, deux, allez, trois, jusqu'au bout! Cinq, six, let's go! Huit! Plus vite, let's go, push! Push! Come on! Let's go! Bye, André! Bon travail! Yes. Avec le sourire. Yes. Bon travail, gang. Le dernier. Yes. Oh, yes. Dans le seul groupe, vous ne devinerez jamais, jamais ce que Vanessa a mis en dernier. OK, je vous laisse deviner. Le premier qui l'a. Let's go. Je cherche un mot sur le chat. C'est quoi l'exercice? Qui est le premier qui va répondre, moi, effectivement? À qui l'honneur d'avoir la bonne réponse? Je peux vous donner la première lettre, si vous voulez. Oh, t'as même pas besoin, d'après moi. D'après moi, c'est... Il y en a qui le connaissent bien en masse. Ben oui. Pas de réponse encore? Pas de réponse encore? Oui, gang, il y a deux soufflets. Oh, c'est en train de prendre de l'eau, je pense. OK, burpees! Burpees. Christine Beaune, pas des maudits burpees puis la certaine, je pense. Parce qu'elle avait dit autre chose que maudit. Je te donne quatre façons de les faire, OK? C'est important que. On fait beaucoup de blagues, mais c'est important que tu respectes ton niveau, OK? Fait que burpees numéro un, tu prends un banc, tu vas t'installer les mains sur le banc, allonger les jambes, saute, t'es même pas obligé de sauter. Numéro un. Numéro deux, vous le connaissez? Au sol, OK? Ce qu'on veut faire, c'est aller mettre les mains au sol, solide, allonger les jambes, ramène, jump. Tu peux lever les bras, tu peux ne pas les lever, c'est ton choix. Ce que Vanessa nous propose, c'est de le faire avec une jambe et d'alterner les jambes. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu vas aller déposer tes mains au sol, tu vas allonger les deux jambes, il y en a une qui reste dans les airs, l'autre à terre, puis tu sautes sur une jambe. Tu fais l'autre après. Un petit peu plus simple. Avec une main, OK? Avec une main, ça donne quoi? Main au sol, allonge, ramène, jump. Exercice préféré de Martine Dugrenier. Je vais la connaître. Martine faisait ça sans cesse, athlète olympique en lutte. Je la plug parce que j'aimerais bien faire ça qu'elle fasse ces entraînements-là avec nous. Un défi pour ceux qui la connaissent. Ça marche? Alors, on a huit fois des burpees à faire. Je commence par les jambes, je finis par les mains. Vous faites ce que vous voulez. Bon dernier bloc. Ready? Oh yeah! Et hop! Jump! Et jump! Jump de jump! Hop! Hop! Oh. Deux! Bon de jump! Main au sol! Good job! Harder! Encore gang! Jump! Hop! Très bien! Finis les lunettes! Je vois plus vivant! Yes! Finis comme ça! Sur les jambes encore, bon travail, gang, ready? Et hop, jambes,
Donnez-moi la musique. J'ai abusé. Fait que c'est bon. Fait que, gang, je vous invite à prendre une chaise, ou peu importe un poteau pour te retenir. Mais sûrement, là, tu veux pas travailler sur ton équilibre. On va juste travailler à t'étirer. OK? Étirement numéro un. Oui, on travaille beaucoup. Quad. Tu restes bien droit. Rentre le ventre un peu. Puis tire. On va faire à peu près une vingtaine de secondes. Pour rester dans le tabata. Okay? Tu sens pas l'étirement? Sens les fesses un peu ensemble. Je sais pas pourquoi, mais ça étire plus. Ok, switch. Oh, c'est change de jambe. Good job. Encore une fois, tu n'es pas obligé de te tenir si tu as un bon équilibre. Tu manques d'équilibre, tiens-toi. Parce que je veux pas que tu sens trop. Je me répète là. L'idée, c'est vraiment que tu sens bien les tiens. Sors, hanche un peu vers l'avant, sors les fesses, squeeze, reste allongé. Ok, next, on va étirer l'arrière de la cuisse. Tu peux faire assis, comme ça. Tu peux sur le bout de la chaise, tu peux le faire debout aussi. Ce que tu veux faire, c'est juste te pencher. Change de côté, change de jambe plutôt.
Good job.